Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous le devoir suivant, dans lequel on va étudier une suite implicite et calculer sa limite en utilisant le théorème des accroissements finis. Cette vidéo est dédiée aux étudiants en deuxième année bac, sciences mathématiques. Exercice. Pour tout un appartenant à une étoile privée de 1, on pose i n égale l'intervalle ouvert moins 1 sur n plus l'infini. Soit la fonction f n du x égale sans p allant de a n, 1 sur racine n x plus p, moins racine de n. Première question, montrez que le domaine de définition de fn est in. Deuxième question, montrer que fn est bijectif de in vers un intervalle jn à déterminer. Troisième question, montrez que l'équation fn du x égale 0 admet une solution unique an dans in et que an est strictement positif. Quatrième question, montrez que pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, 2 facteurs racine du x plus 1 moins racine du x inférieur strictement à 1 sur racine du x inférieur strictement à 2 facteurs racine du x moins racine du x moins 1.

le mètre 1 à n. On a fait le p est un wahid, 1 à n. Donc, on va expliciter la somme. Pour p égale à 1, on aura 1 sur racine de nx plus 1 plus pour p égale à 2, on aura 1 sur racine nx plus 2 plus etc. Et pour p égale à n, on aura 1 sur racine de nx plus n. Donc pour que cette fonction soit définie, il faut que nx plus 1 soit strictement positif, c'est-à-dire positif, et le dénominateur différent de 0, donc strictement positif. nx plus 2 aussi strictement positif, et nx plus n doit aussi être strictement positif. Donc on va écrire x appartient à dfn, équivalent à quel que soit P appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à n, il faut que euh, nx plus P supérieur ou égal à 0 et racine nx plus P différent de 0. Ce qui équivalent à, quel que soit P appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à n, euh, nx plus p doit être strictement positif. Ce qui est équivalent à, quel que soit p, appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à n, x supérieur strictement à moins p sur n. Euh, donc euh, pour euh, p égal à 1, on va avoir ici x supérieur à moins 1 sur n. Donc il faut avoir x supérieur à moins 1 sur n. Et pour p égale à 2, on, il faut avoir x supérieur strictement à moins 2 sur n, et etc. Pour euh, p égale à n, il faut avoir x supérieur strictement à moins n sur n, qui est moins 1. Donc euh, ici on a moins 1 sur n, et supérieur à moins 2 sur n, supérieur etc., supérieur à, moins 1 Donc euh, si cette condition est vérifiée les autres aussi sont vérifiées. Équivalent à, on va mettre x super strictement à moins -1 sur n. Donc si x super strictement à moins -1 sur n il est aussi supérieur strictement à moins 2 sur n, supérieur strictement à moins 3 sur n et supérieur strictement à moins 1, qui est moins n sur n. Donc euh, les autres conditions, bien sûr, sont aussi vérifiées. Euh, par suite, DFn est égal à l'intervalle ouvert moins 1 sur n plus l'infini, c'est-à-dire IN. Deuxième question, montrez que fn est bijective de En vers l'intervalle Gn à déterminer. Puisque fn est un décalage de En vers le domaine Gn, il faut le déterminer. Pour cela, nous allons utiliser le théorème de la fonction bijective, c'est-à-dire que nous allons que fn est continue sur le domaine En et nous montrer qu'elle est râtie qu'à sur le même domaine. Alors pour tout p appartenant à l'ensemble 1n, on a la fonction qui est associée à x 1 sur racine de nx plus p est continue et dérivable sur l'intervalle In. C'est normal car la fonction qui est associée à x nx plus p est dérivable dérivable sur In et euh, cette fonction est strictement positive sur in. Et donc, la fonction qui est associée à x racine de nx plus p est dérivable sur in. Alors elle est dérivable et ne s'annule pas. Il ne s'annule pas euh, sur. In. Donc la fonction qui est associée à x 1 sur racine nx plus p est dérivable sur in. Euh, donc il est continu. لكل بي من المجال واحد ان الداله التي تربط اكس ب 1 على جذر ان x زائد متصله وقابله للاشتقاق على المجال اي ان اذا نستنتج ان الداله اف ان فهي متصله وقابله للاشتقاق على المجال اي ان كمجموع دوال متصله وقابله للاشتقاق على المجال اي ان Donc, fn est continue et dérivable sur in en tant que somme de fonctions continues et dérivables sur in. Et on a, pour tout x appartenant à in, fn prime de x. Euh, donc ici, on peut calculer la, la dérivée de fn de x. Sinon, on peut seulement tout simplement, calculer la dérivée de l'expression 1 sur racine nx plus p. On va trouver qu'il est strictement négatif. Donc, cette fonction est strictement décroissante sur n. Et donc, fn est strictement décroissante sur n en, en tant que somme de fonctions strictement décroissantes sur n. On peut utiliser cette méthode.

donc ça, c'est égal à, euh, bien sûr, ça c'est la somme. La somme P allant de A à N, la dérivée de l'expression 1 sur racine NX plus P. La dérivée de la constante moins racine de N, c'est 0. Donc on dérive par rapport à la variable X. Racine de N est constante, donc là, sa dérivée est nulle. Donc ça, c'est la somme P allant de A à N, la dérivée de ça c'est, on va utiliser la formule de 1 sur u, la dérivée c'est moins u prime sur u au carré. Donc ici on va mettre racine de nx plus p prime sur euh, racine nx plus p au carré, c'est à dire nx plus p. Euh, donc avec signe moins. Et ça, c'est égal à la somme P allant de A à N. Donc, moins. Alors, la dérivée de racine. Donc, la dérivée de racine de U. C'est U' sur 2 racines de U. Donc, on aura ici la dérivée de. Non, Nx. On va mettre Nx plus p prime sur 2 racine nx plus p. Le tout sur nx plus p. Égal à moins somme p allant de a à n. Donc ici on aura la dérivée de nx plus p, c'est quoi C'est n. Et sur 2 racine... Euh, nx plus p facteur nx plus p. Donc euh, ici on a a sur b le tout sur c. Ça c'est a sur b le tout fois 1 sur C. Donc A sur B le tout sur C. C'est A sur B fois 1 sur C. Et comme vous voyez ici on a euh, cette expression positive la racine positive, nx plus p positif, sur, euh, l'intervalle, bien sûr, sur l'intervalle in. Donc, tout ça, c'est positif, avec sin moins, c'est strictement inférieur à 0. Donc, on a montré que fn prime du x est strictement inférieur à 0. Par suite, par suite, la fonction fn est strictement décroissante sur in. D'après le théorème de bijection, Fn réalise une bijection de In vers Jn égale à F de In. Donc, de Jn, de On calcule Jn, donc c'est Fn de In, c'est l'intervalle moins 1 sur n plus l'infini égale à l'intervalle ouvert, la limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini, car fn est décroissante, virgule. Ensuite, on va mettre la limite de fn de x quand x tend vers moins 1 sur n à droite, donc moins 1 sur n plus. Donc, jn égale... Alors, on commence par la limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, on a cette expression tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Cette expression tend vers 0. On va voir la somme des zéros. Tout ça, c'est 0. Donc, il reste moins racine de n. Donc euh, la limite, c'est moins racine de n. La limite en plus l'infini, c'est moins racine de n, virgule. Ensuite, la limite quand x tend vers moins 1 sur n. Quand x tend vers moins 1 sur n, ici, je vais avoir quoi Je vais avoir 0 au dénominateur. D'accord Donc je vais avoir 1 sur 0 plus moins racine de n. Donc c'est plus l'infini. C'est égal à plus l'infini. Par conséquent, Fn est une bijection de In vers Jn égale moins racine de n plus l'infini. Question 3. Montrez que l'équation Fn de x égale à 0 advient une solution unique à n dans In et que an est strictement positif. Béniez que le معèdele Fn de x est égal à 0 et que l'équation Fn de x est égale à 0 et que l'équation Fn de x est égale à 0 إذا للجواب على هذا السؤال سوف نقوم باستعمال السؤال السابق سبق وأن بينا بأن Fn هي تقابل من En نحو Gn أن. وبما أن الصفر ينتمي إلى المجال Gn وأن الدالة Fn تقابل هذا يعني أن الصفر يقبل سابق وحيد في المجال En بواسطة الدالة Fn يعني أن المعادلة Fn تساوي الصفر تقبل حل وحيد Hein. l'équation fn de x admet une solution a n dans in. Donc, euh, comme fn est une bijection de in vers jn, alors, comme fn est une bijection de in vers jn, égale moins racine de n plus l'infini, et que 0, appartient à Jn, alors, alors, euh, 0 admet un seul antécédent dans In par la fonction IN, Fn. C'est-à-dire, l'équation Fn du x égale 0 admet une solution unique à N dans In. Donc, euh, on a déjà répondu à la première partie de la question. Maintenant, on va montrer que An est strictement positif. Et pour montrer que an est strictement positif, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, euh, c'est-à-dire comparer. On veut comparer an avec 0. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on va comparer les images fn de an avec fn de 0. Alors fn de an est égal à 0. Donc on va calculer fn de 0 et comparer avec 0. On a. إذا سنقوم بحساب Fn لصفر وسنقارن مع Fn لAn Fn لصفر تساوي إذا نعلم أن Fn لx تساوي الصوم مجموع من واحد إلى N واحد على جدر N x زائد P ناقص جذر N هذا يعني أنه إذا عوضنا x بصفر سوف نجد هنا سوف يبقى واحد على جدر P لأن مجموع واحد جذر على P صوم Donc, fn de 0, c'est la somme p allant de a à n de 1 sur racine de p et moins racine de n. Euh, donc, euh, ici, on a fn de 0. Alors, on veut comparer avec 0. Donc, normalement, ici, on veut montrer que a à n super strictement à 0. Ça veut dire, eh bien, il faut montrer que fn de a à n est euh, inférieur strictement à fn de 0. Car la fonction fn est strictement décroissante. On a déjà montré ça. Donc euh, pour montrer ce, euh, AN strictement positif, on va montrer que Fn de AN inférieur strictement à Fn de 0. Donc c'est équivalent à. Euh, C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Fn de 0, il faut minorer. Minorer par 0. Donc on va essayer de minorer cette somme. Euh, alors on sait que P, donc P ici on a euh, P inférieur ou égal à n. Donc p appartient à l'ensemble 1 n. Donc inférieur ou égal à n et donc 1 sur racine de p ici est supérieur ou égal à 1 sur racine de n. Voilà donc euh, ceci quel que soit p appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à n. Et donc on va faire quoi On va faire la somme. On va faire la somme des 1 sur racine de p, p allant de a à n supérieur ou égal racine euh, somme des 1 sur racine de n de a à n voilà donc euh, c'est à dire pour p égale à 1 euh, donc pour p égale à 1 on va avoir 1 sur racine de 1 supérieur ou égal à 1 sur racine de n et pour P égale à 2, on va avoir 1 sur racine de 2, super égale à 1 sur racine de n, etc., jusqu'à jusqu'à n. 1 sur racine de n, c'est-à-dire pour P égale à n, on va avoir super égale à 1 sur racine de n. Ensuite, on va faire la somme. On va faire la somme. Alors, la somme de ça, c'est exactement sigma de A, P égale à 1 à n, de 1 sur racine de P. Et la somme ici, la somme de 1 sur racine de n, c'est-à-dire ça. Donc, c'est la même chose. Et voilà donc euh, on va minorer euh, donc on va minorer cette somme en utilisant cette euh, inégalité. Alors avant de faire ça, on va faire sortir d'abord le premier terme. Donc le premier terme pour lequel p est égal à 1. Donc euh, je vais avoir 1 sur racine de 1, c'est-à-dire 1 plus somme des 1 sur racine de p, p allant de 2 à n. Donc pour p égal à 1, c'est Égal à, euh, je vais avoir ici 1, 1 sur racine de 1. Et moins racine de n. Alors, pourquoi on va faire sortir le premier terme? Donc, pour euh, donc ici on a super ou égal pour avoir une inégalité stricte. La question, montrer que a n strictement supérieur à 0. D'accord? Si, euh, donc, euh, on, fait, on va faire sortir le premier terme pour avoir une inégalité stricte. D'accord? On va voir ça. Ensuite, en mineur, on va voir Fn de 0 euh, supérieur ou égal. Donc, on va minorer. Super ou égal. On a déjà 1 moins racine de n. Plus. Alors, cette somme, on va, euh, min on va minorer par cette somme. Alors, on fait la somme de a à n ou bien de 2 à n. Pas de problème, c'est la même chose. Donc, on va voir somme P allant de 2 à n d1 sur racine de n. Donc euh, fn de 0 est supérieur ou égal à 1 moins racine de n plus 1 sur racine de n est une constante, ne dépend pas de l'indice p, donc à l'extérieur de la somme. C'est-à-dire qu'on va euh, factoriser avec. Donc normalement, ça c'est 1 sur racine de n plus 1 sur racine de n plus, etc. Donc on fait la somme des 1 sur racine de n combien de fois Nombre de termes. N-2 plus 1. C'est-à-dire N-1 fois. D'accord C'est quoi ça On va factoriser par 1 sur racine de n. On va avoir 1 sur racine de n en facteur. Il reste, il reste ici 1, il a 1, etc. Jusqu'à le dernier, il reste 1. Donc on va avoir la somme des 1. Euh, donc ici on factorise par 1 sur racine de n. Euh, il reste la somme des 1. P allant de 2 à n. Donc, euh, fn de 0 supérieur ou égal à 1 moins racine de n. Alors, la somme des 1, c'est quoi C'est nombre de termes. Donc, je vais avoir plus 1 sur racine de n facteur. Nombre de termes ici, c'est quoi C'est n-1. moins Donc, euh, on va avoir 1 plus. On a déjà dit ça dans plusieurs vidéos précédentes. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Plus 1 n fois, c'est quoi C'est n. 1 plus 1, c'est 2. 1 plus 1 plus 1 plus 1, 3 fois, c'est 3. Et 1 plus 1 plus 1, n fois, c'est n. Ici, on a 1 plus 1 plus 1, combien de fois n moins 1 fois. Donc, c'est n moins 1. Et donc, euh, fn de 0 est supérieur ou égal. Supérieur ou égal euh, 1 moins racine de n. On développe n sur racine de n, c'est racine de n. Et moins 1 sur racine de n. On simplifie. Donc, euh, on aura fn de 0 supérieur ou égal à 1 moins 1 sur racine de n. Et voilà, donc, euh, euh, 1 moins 1 sur racine de n est strictement positif. Car. Car n appartient à n étoiles privées de 1. Ça veut dire que n est supérieur ou égal à 2. Ou bien supérieur strictement à 1. Car n est strictement supérieur à 1. Euh, et donc, bien sûr, je vais avoir euh, racine de n supérieur strictement à 1. 1 sur racine de n euh, inférieur strictement à 1. Et bien sûr, 1 moins racine de 1 va être strictement positif. D'accord euh, voilà, donc, euh, comme vous voyez, on a montré que fn de, fn de 0 est supérieur strictement à 0. Et 0, c'est égal à fn de an. D'accord Alors, euh, comme vous voyez, c'est pourquoi on a fait sortir le premier, le premier terme, 1, hein, donc, euh, pour avoir ici inégalité stricte. Si on ne fait pas ça, on va avoir supérieur ou égal euh, 0. Je, on va trouver fn de 0, supérieur ou égal 0. Et dans ce cas, il faut euh, montrer que fn, fn de 0 est différent de 0. Donc, euh, pour éviter ce problème, on fait sortir le premier terme. D'où On aura fn de 0 supérieur strictement à 0, qui est fn de an. Par suite, on aura ici euh, euh, an supérieur strictement à 0, car la fonction fn est strictement décroissante. La fonction fn est strictement décroissante sur l'intervalle et bien sûr, an i0 appartient à l'intervalle in. Par conséquent, quel que soit n appartenant à n étoiles, privé de 1, on a an supérieur strictement à 0. Question 4. Montrez que pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, deux facteurs racine de x plus a moins racine de x, inférieur strictement 1 sur racine de x, inférieur strictement à deux facteurs racine de x moins racine de x moins 1. Donc ici on a racine de x plus 1 moins racine de x. C'est-à-dire, on a l'écriture g de x plus 1 moins g de x. Avec g et la fonction qui est associée à t, racine de t. Donc, il faut penser à utiliser le théorème des accroissements finis à la fonction g sur l'intervalle x, x plus 1. Même chose ici, on a racine de x moins racine de x plus 1. Donc, on va appliquer le théorème des accroissements finis toujours à la fonction g sur... سيت فوا، نغا متخ لانترفال إكس موانز أن إي إكس دونك سيسا لا بروسيديوغ إذن سنطبق مباراة التزايدات المنتهية على الدالة جي المعرفة بما يلي التي تربط التي بجدر التي على المجال إكس إكس زائد واحد وكذلك على المجال إكس ناقص واحد إكس لأنه هنا نلاحظ أن لدينا الكتابة جي لإكس زائد واحد ناقص جي إكس

on va dire que la fonction qui est associée à t, racine de t est une fonction continue sur l'intervalle, donc il est continu, dérivable sur l'intervalle x, x plus 1 et sur l'intervalle x moins 1x. Euh, Donc, euh, dans le théorème des accroissements finis, il faut montrer euh, deux conditions. Il faut que la fonction g soit, soit continue. Continue sur le segment AB. Et deuxième condition, il faut que G soit dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Alors, euh, s'il est dérivable sur le segment AB, donc il est dérivable aussi sur l'intervalle ouvert AB, aucun problème. Donc ici on a dit que euh, la fonction qui est associée à la t racine de t continue dérivable sur cet intervalle. Donc euh, continue c'est évident car euh, x supérieur à 1 bien sûr. Alors on sait que cette fonction est continue continue sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé côté 0 et on sait qu'elle est dérivable. Donc dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert côté 0. D'accord Alors euh, comme vous voyez ici on a x est supérieur strictement à 1 donc supérieur strictement à 0. Donc il est continu et dérivable sur ce segment. Euh, ici on a euh, x moins 1x, alors x moins 1 est supérieur strictement à 0. Et bien sûr euh, la fonction, est, la fonc cette fonction est continu et dérivable sur ce segment. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à l'intervalle X, X plus 1, et C', il existe C' appartenant à l'intervalle X moins 1, X, tel que donc, euh, donc, premièrement, on va appliquer le théorème des accroissements finis à cette fonction sur xx plus 1. Donc, on va écrire racine de x plus 1 moins racine de x égale, euh, donc, euh, normalement, on va, on va avoir x plus 1 moins x. x plus 1 moins x facteur, facteur, la dérivée de cette fonction, c'est quoi C'est 1 sur, donc la dérivée de racine de t, c'est 1 sur 2 racines de t. Donc ici, on va écrire 1 sur 2 racines de C. Donc la formule, c'est F de B, ou bien on va mettre G, G de B, moins G de A, euh, égale B moins A, facteur G prime de C. Voilà, donc G de B moins G de A, égale à B moins A, facteur G prime de C. Et on va avoir, donc tu remettes des accroissements finis à la fonction racine de t sur l'intervalle x moins 1x. Donc on aura quoi On aura racine de x moins racine de x moins 1 égale à euh, x moins x moins 1 facteur 1 sur 2 racines de c'. On peut appeler cette euh, fonction, on peut l'appeler g si vous voulez. Donc, euh, on va voir ici, un, euh, à la place de 1 sur 2 racine de c, on va mettre g prime euh, g de c. Et là, on va mettre g prime de c prime. Donc, euh, on va multiplier d'un côté par 2. Donc, on aura 2 facteurs racine de x plus 1 moins racine de x. Égal à, ici on va simplifier, il reste 1 fois 1 sur racine de C. Et, et même chose ici, on va multiplier les deux côtés par 2. On va avoir 2 facteurs racine de X moins racine de X moins 1. Ici on va simplifier, X moins X, il reste moins moins 1, c'est plus 1. Donc il reste 1 sur, égal à 1 sur racine de C'. Voilà, maintenant, pour trouver cet encadrement, on va utiliser le fait que C appartient à cet intervalle et C' appartient à l'autre intervalle. On a, donc on a C supérieur strictement à X, inférieur strictement à X plus 1. Et C' supérieur strictement à X moins 1, inférieur strictement à X. On va encadrer 1 sur racine de c et 1 sur racine de c'. Donc, on aura 1 sur racine de c supérieur strictement à 1 sur racine de x plus 1, inférieur strictement à 1 sur racine de x, et 1 sur racine de c', supérieur strictement à 1 sur racine de x, inférieur strictement à 1 sur racine de x moins 1. Donc on aura quoi? On aura 1 sur racine de x supérieur strictement à 1 sur racine de c et 1 sur racine de x inférieur strictement à 1 sur racine de c prime donc inférieur strictement à 1 sur racine de c'. 2 Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de remplacer 1 sur racine de c par 2 racines racines de x plus 1 moins racine de x. Et on va remplacer 1 sur racine de c' prime, ici par cette expression. 2 facteur racine de x euh, moins racine de x moins 1. Et on aura exactement. Euh, le résultat demandé. Donc on remplace racine de c euh, par ça. Donc on aura deux facteurs racines de x plus 1 moins racine de x inférieur strictement à 1 sur racine de x. Inférieur strictement. Je remplace ça par deux facteurs racines de x moins racine de x moins 1. D'où le résultat. C'est exactement la double inégalité demandée. Question 5a. On déduire que pour tout un appartenant à n étoile privées de 1, 9 sur 16 moins 1 sur n, inférieur strictement à n, inférieur strictement à 9 sur 16. Euh, donc ici, pour euh, euh, comparer 9 sur 16 moins 1 sur n et à n et 9 sur 16, on va comparer leurs images par la fonction fn. C'est-à-dire, on va calculer Fn de 9 sur 16 moins 1 sur n. On va calculer Fn de an qui est déjà 0. Et on va calculer Fn de 9 sur 16. On va comparer Fn de 9 sur 16 avec 0. Et comparer Fn de 9 sur 16 moins 1 sur n avec 0. Et on va déduire euh, donc euh, la double inégalité demandée. en utilisant le fait que la fonction fn est strictement décroissante sur l'intervalle in. إذن لكي نقارن الأعداد 9 على 16 ناقص 1 على n و n و 9 على 16 سوف نقوم بمقارنة صورها بالدالة fn التناقصية قطعا على المجال en إذاً، سوف نقوم بحساب صورة هذه الأعداد نبدأ أولا بصورة 9 على 16 Awel euh, n'a soit n appartenant à n étoiles privé de 1 euh, on a donc on va calculer fn de 9 sur 9 sur 16 égale à donc c'est la somme P allant de 1 à n 1 sur racine de donc euh, ici, je vais remplacer x par euh, 9 sur 16, je vais avoir 9n sur 16 plus p, et moins racine de n. Donc euh, pour démontrer que a n est inférieur strictement à 9 sur 16, euh, on va démontrer que fn de 9 euh, sur 16 est inférieur strictement à fn de a qui est 0. D'accord C'est-à-dire, on va majorer fn de 9 sur 16. Euh, pour, cela, donc, euh, pour cela, on va majorer cette somme. Donc, on va majorer d'abord euh, ce terme en utilisant la question précédente 1 sur racine de x, inférieur strictement à 2 facteurs racine de x moins racine de x moins 1. On va utiliser cette inégalité. On va pas utiliser l'inégalité de gauche on va utiliser l'inégalité de droite. Pour majorer fn de 9 sur 16. D'accord euh, Donc, cette inégalité, ou bien double inégalité, est vérifiée seulement lorsque x est strictement supérieur à 1. Donc, on va d'abord justifier que 9n sur 16 plus p est supérieur strictement à 1. Ensuite, on va utiliser cette inégalité pour majorer. Donc, pour majorer euh, racine ou bien 1 sur racine de n, 9n sur 16 plus p. Donc, euh, d'abord, on va justifier que 9n sur 16 plus p supère strictement à 1. Alors, euh, on a pour euh, 2p appartenant à l'ensemble AN. On a n euh, supérieur strictement à 1 implique 9n sur 16, super strictement à 9 sur 16, implique 9n sur 16 plus P, super strictement à 9 sur 16 plus P, supérieur ou égal, alors P est supérieur ou égal à 1. D'accord, donc je vais avoir 9 sur 16 plus 1. Et ça, c'est supérieur strictement à 1.

sur racine de 9n sur 16 plus p, inférieur euh, strictement à. Donc voilà, je remplace x. Bien sûr, pour euh, x égale 9n sur 16 plus p. Je vais avoir 1 sur racine 9n sur 16 plus p, inférieur à 2 facteurs racine 9n sur 16 plus p, etc. Donc je vais mettre inférieur à deux facteurs racine de 9n sur 16 plus P, moins racine de 9n sur 16 plus P moins 1. Donc ceci, quel que soit P, appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à N. Ensuite, pour euh, trouver euh, Fn de 9 sur 16, on va faire la somme. La somme de 1 sur racine, euh, 9n sur 16 plus P. D'accord On va faire la somme de 1 jusqu'à n. Donc, je vais avoir la somme, je vais avoir la somme P allant de 1 à n, de 1 sur racine de 9n sur 16, plus P inférieur la somme de ça. Somme P allant de A à N de facteur racine de 9N sur 16 plus P. Moins racine de 9N sur 16 plus P moins 1. Donc ici on reconnaît une somme télescopique. Donc on reconnaît une somme télescopique, euh, donc les termes vont se simplifier. C'est-à-dire, en somme télescopique, c'est-à-dire on a la somme de, euh, donc, euh, de UP moins UP euh, moins 1. Alors pour P allant de A à N. Normalement ça c'est quoi? C'est donc euh, P je remplace par N. Ici je vais avoir UN moins. Et là, je vais remplacer p par 1. Je vais avoir u0. Donc a moins 1, -1 c'est 0, donc u0. Donc euh, si vous êtes avancé, vous pouvez utiliser euh, directement ce calcul. Alors euh, j'ai déjà fait une vidéo sur les sommes télescopiques, donc euh, vous pouvez euh, le consulter si vous voulez. Euh, donc si vous voulez euh, savoir comment calculer une somme télescopique directement en une ligne, donc vous pouvez voir cette vidéo. Sinon euh, pour cette fois on va faire euh, les étapes. C'est-à-dire on va montrer les simplifications de la somme télescopique. Mais dans le, la prochaine fois, on va faire le calcul direct. Euh, donc euh, on fait les étapes. Alors, euh, c'est-à-dire pour P égale à 1 euh, donc euh, on va utiliser cette inégalité qui est valable quel que soit P appartenant à 1 jusqu'à n. Donc pour p égale à 1, on aura 1 sur euh, racine de 9n sur 16, plus 1 inférieur à 2 facteurs racine de 9n sur 16, plus 1 moins racine de 9n sur 16, et plus 1 moins 1. C'est-à-dire euh, 0. Donc... Euh, Ensuite, je mets pour p égale 2, je vais avoir 1 sur euh, racine de 9n sur 16 plus 2 inférieur à 2 facteur racine de 9n sur 16 plus 1, euh, plus 2, moins racine de 9n sur euh, 16 plus 2 moins 1, c'est-à-dire plus 1, etc jusqu'à pour euh, p égale n. Je vais avoir 1 sur racine de 9n sur 16 plus n inférieur à 2 facteurs racine de 9n sur 16 plus n moins racine de 9n sur 16 plus n moins 1. Ensuite, on va faire la somme. Euh, la somme de euh, ces inégalités côté par côté. Alors lorsqu'on va faire la somme, euh, ici la somme de ces termes, c'est quoi? C'est exactement cette sigma. D'accord? Donc euh, ici, pour p égale à 1, je vais avoir ce terme. Pour p égale à 2, je vais avoir celui-là. Pour p égale à n, je vais avoir ce terme. Donc c'est la somme, c'est sigma. Donc je vais avoir euh, somme. P allant de A à N de 1 sur racine de 9n sur 16 plus P inférieur à 2 facteurs. Ici, lorsqu'on va faire la somme, deuxième côté, on va faire les simplifications. Donc, je simplifie ça avec ça. Et ce, euh, ce terme va se simplifier avec le suivant. Ici, dans la dernière ligne, je vais simplifier... Euh, donc, euh, je vais simplifier ça avec euh, la ligne précédente. Alors, qu'est-ce qu'il reste Il reste le dernier terme moins le premier terme. Donc, deux facteurs racines de 9n sur 16 plus n moins racines de 9n sur 16. 1 moins 1, c'est 0. Ensuite, pour trouver... Euh, Fn de 9 sur 16, il suffit de retrancher racine de n. Donc ici, je vais avoir Fn de 9 sur 16 inférieur à 2 facteur. Ici, euh, je vais avoir 9n plus 16n, c'est 25n. Donc racine de 25n sur 16, moins ici racine de 9n sur 16. Et on a déjà retranché racine de n. Donc, je vais avoir fn de 9 sur 16, inférieur à 2, facteur. Alors, racine de 25, c'est 5. Racine de 16, c'est 4. Donc, 5 sur 4, racine de n. Moins, ici, je vais avoir 3 sur 4, racine de n. Et moins racine de n. fn de 9 sur 16. inférieur strictement à 2 alors 5 moins 3 c'est 2 donc je vais avoir euh, 2 fois 2 sur 4 racine de n et moins racine de n donc euh, fn de 9 sur 16 inférieur strictement à 2 fois 2 4 sur 4 c'est 1 il reste racine de n moins racine de n qui est 0 et 0, c'est Fn de An. Par suite, euh, par suite, je vais avoir An inférieur strictement à 9 sur 16. Car, toujours, la fonction Fn est strictement décroissante sur l'intervalle In. Donc, euh, lorsque... La fonction f est strictement décroissante. Ici, f de x inférieur à f de y, alors, x est supérieur à y. Ici, f est strictement croissante. f de x inférieur à f de y implique x inférieur à y. Donc, c'est ce qu'on a utilisé. Donc, c'est la règle qu'on a utilisée ici. Voilà, on a démontré la première inégalité, c'est-à-dire l'inégalité de droite. Maintenant, on va démontrer celle de gauche. Ensuite, on démontre l'inégalité de gauche. C'est-à-dire, on va démontrer que 9 sur 16 moins 1 sur n est inférieur strictement à n en utilisant la même procédure. Pour démontrer que 9 sur 16 moins 1 sur n inférieur à an, on va démontrer que fn de an inférieur à fn de 9 sur 16 moins 1 sur n. C'est-à-dire qu'on va minorer fn de 9 sur 16 moins 1 sur n. Alors, euh, on a fn de 9 sur 16 moins 1 sur n est égal à la somme P allant de 1 à n, 1 sur racine de, donc euh, normalement nx plus p, c'est-à-dire n, je remplace x par ça, 9 sur 16, moins 1 sur n, plus p, c'est-à-dire je vais avoir quoi Je vais avoir 9n sur 16, euh, n fois moins 1 sur n, c'est moins 1. Je vais avoir moins 1 et plus p. Et moins racine de n. Alors, euh, on a déjà dit ça. Donc, on va euh, minorer. On va minorer euh, fn de 9 sur 16 moins 1 sur n. Pour cela, on va utiliser le, la question précédente. Donc, la double inégalité de la question précédente. Il faut d'abord justifier que 9n sur 16 moins 1 plus p est supérieur strictement à 1. On a pour tout euh, P appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à N, euh, on a 9N sur euh, 16. D'abord, on va écrire N supérieur ou égal 2 implique 9N sur 16 supérieur ou égal 18 sur 16 implique on va ajouter P-1. Donc 9n sur 16 plus p moins 1 super ou égal. Ici je vais simplifier par 2. Je vais avoir 9 sur 8. Euh, plus p moins 1. Alors on a p supérieur ou égal à 1. Donc p moins 1 supérieur ou égal à 0. D'accord Donc euh, je vais avoir p moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc tout ça c'est supérieur ou égal 9 sur 8. Et plus 0 alors euh, 9 sur 8 est strictement supérieur à 1 donc implique que 9, euh, 9n sur 16 plus p moins 1 est supérieur strictement bien supérieur ou égal 9 sur 8 qui est supérieur strictement à 1 donc on peut utiliser l'inégalité euh, pré précédente pour x, égale, euh, pour x égale 9n sur 16 plus p moins 1. Et donc d'après la question précédente. D'après la question précédente, euh, on va utiliser l'inégalité. Donc cette fois, on va utiliser l'inégalité de gauche. 2 facteurs racine de x plus 1 moins racine de x inférieur à 1 sur racine de x. Bien sûr, en remplaçant x par. Euh, euh, donc par 9n sur 6 plus p moins 1 d'accord donc d'après la question précédente euh, on aura pour tout p appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à n on a 1 sur bien d'abord on va mettre 2 facteurs racine de donc je vais mettre ça plus 1 c'est-à-dire 9n sur 16 plus p moins racine de 2x. Donc 9n sur 16 plus p moins 1. Inférieur à 1 sur racine de 9n sur 16 plus p moins 1. Ensuite, on va faire la somme. La somme de 1 à n. Et donc, on va mettre la somme p allant de a à n deux facteurs racines, racines de facteur racine donc racine de 9n sur 16 plus p moins racine de 9n sur 16 plus p moins 1 inférieur à somme p allant de a à n de 1 sur racine de 9n sur 16 plus p moins 1. Or euh, de même, on reconnaît ici une somme télescopique. C'est-à-dire, on va faire les simplifications de haut. Alors cette fois, on va pas faire les détails. On va pas faire euh, les étapes du, de calcul de cette somme télescopique. On va faire le calcul direct. Euh, J'ai déjà dit ça. Si vous voulez savoir comment on fait le calcul direct d'une somme télescopique de la forme sigma UK plus 1 moins UK, vous pouvez voir la vidéo que, que je vais déjà mentionner. Voilà, J'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur comment calculer une somme télescopique de manière directe. Donc euh, ici, on va utiliser cette technique. Alors ici, on a P, l'indice le plus grand. Et là, on a P moins 1. Donc le P qu'on a ici, on va remplacer par n. Donc je vais mettre 2 facteur racine de 9n sur 6 plus n. Moins racine de. Ici j'ai P moins 1. Donc je remplace P par 1. La valeur la plus petite. Donc je vais mettre 9n sur 6 plus 1 moins 1. Donc ça c'est inférieur strictement à. Euh, cette somme alors euh, ce qu'on va faire on va on va retrancher moins racine de n dans les deux côtés donc je vais mettre ici moins racine de n inférieur dans l'autre côté je vais avoir exactement fn de 9 sur 16 moins 1 sur n on a déjà calculé comme vous voyez ici d'accord et donc euh, on aura donc, on va faire, on va simplifier ce, cette écriture. Donc, je vais avoir ici 9n sur 16 plus n, c'est racine de 16 plus 9, c'est 25n sur 16. Moins, ici, on va simplifier. Il reste moins racine de 9n sur 16. Et moins racine de n, inférieur à fn de 9 sur 16, moins 1 sur n. On a déjà calculé ça. D'accord On a déjà calculé. C'est exactement le même calcul qu'on a là. C'est ça, on a trouvé 0. D'accord Donc tout ça, c'est 0, c'est évident. Donc euh, on aura 0 inférieur à fn de 9 sur 16 moins 1 sur n, c'est-à-dire... Euh, 0, c'est fn de an inférieur à fn de 9 sur 16 moins 1 sur n. Et comme la fonction fn est strictement décroissante sur euh, i, alors je vais avoir euh, 9 sur 16 moins 1 sur n inférieur strictement à an, toujours car fn est strictement décroissante sur IN. Alors, conclusion, quel que soit N appartenant à l'ensemble N étoiles, privé de 1, on a 9 sur 16, moins 1 sur N, inférieur à AN, inférieur à 9 sur 16. De le résultat. كيسيون بي اون ديدوير ا ان اي اي ديترمي سا ليميت لان مطلوب انه بين ان المتتاليه ا ان متقاربه وان نحدد نهايتها طبعا سوف نستعمل السؤال السابق سبق ان بينا ان تسعة على ستة عشر ناقص واحد على, على, على أصغر ان اصغر من ا ان اصغر من تسعة على ستة عشر سوف نحسب نهاية على اليمين وعلى اليسار ونستنتج نهاية ان وذلك باستعمال مصادق التقارب Euh, On a euh, pour tout n partenant à N étoiles, privé de 1, 9 sur 16 moins 1 sur n inférieur à n inférieur à 9 sur 16 et euh, comme la limite quand n tend vers plus l'infini de 9 sur 16, moins 1 sur n, est égal à 9 sur 16, est égal à la limite. Quand n tend vers plus l'infini de 9 sur 16, bien sûr. Alors, la suite a n est convergente et sa limite vaut 9 sur 16. Donc ici on a utilisé le critère de convergence de. Euh, si quelque soit n supérieur à n0, wn inférieur à un inférieur à Vn, et si la limite de Vn égale à la limite de WN égale à L, alors Un est convergente et sa limite vaut L. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.